Hey yo tout le monde, c'est Gimin Jun, j'espère que vous avez la forme, en tout cas moi ça va super comme d'habitude. Donc on se retrouve sur GTA 5 pour les véhicules numéro 64. Donc c'est pas un véhicule, comment dire, un véhicule assez classe. Donc c'est le taxi. Donc le taxi qui est classé comme véhicule de service. Qu'on peut trouver bas dans la ville, hein. on peut le trouver dans tout Los Santos. De toute façon, si vous n'en trouvez pas, il suffit d'aller ici, là, au Downtown de Capco. Donc, c'est là où que sont stockés tous les taxis de la ville. Donc là, si vous n'en trouvez pas, c'est qu'il y a un problème, quoi. Alors, il est pas très rapide, hein. On dirait un peu une Ford Crown Victoria. Voilà, donc... il ressemble un peu aux voitures de police, mais dans Blaine Country, les blanches, pas ceux dans Los Santos, quoi, les autres. Donc après, je vais faire quelques courses pour vous montrer à quoi ça ressemble, pour ceux qui n'ont peut-être jamais fait, qui s'intéressent pas au taxi. Alors, le Downtown de Capco. C'est là, je crois, non? Ah non, c'est pas là. C'est ici. Voilà. Je vais vous emmener ici. Vous voyez, on en voit partout. Hein. Et donc, il y en a qui n'ont pas les mêmes. Les trucs sur le toit, là. Les espèces de... Le truc de taxi qu'il y a sur le toit, bah, il y a des taxis qui n'ont pas le même. Donc après, il existe différentes sortes de taxis. Mais par contre, ils sont tous jaunes et bleus. Hein. Oh, une camionnette Sprunk. Alors ça, j'ai jamais vu ça, les gens. Une camionnette Sprunk. Waouh, truc de fou. Alors ouais, tous les taxis sont ici. On va en prendre un autre, on va prendre celui-là. Vous voyez que celui-là sur le toit c'est pas le même truc. C'est juste marqué taxi alors que sur les autres, comme vous voyez, il n'y a pas le même truc de toit. Donc voilà, c'était juste ça. Maintenant on va faire une course. Alors pour faire une course, il suffit d'appuyer sur le bouton de klaxon. Voilà. Donc sur le GPS, il y a un tracé qui va s'afficher, vous voyez, et donc il va vous emmener jusqu'au client. Vous voyez, il est là. Donc maintenant, il suffit de rejoindre la destination. Tranquille. Par contre, si vous faites le con, le client il a tendance à gueuler des fois. Dans le véhicule, voilà. Donc là, des fois il vous emmène assez loin. Vous voyez là, il m'emmène carrément à l'autre bout de la ville. Donc là, on va au terrain de tennis, de basket, je sais pas quoi. C'est un terrain de sport, donc je crois que c'est le basket. Ouais, ça doit être le basket. Et donc, j'ai pas précisé, pour monter dans un taxi, faut appuyer sur triangle, mais faut appuyer assez longtemps. Parce que si vous appuyez normalement, vous allez atterrir dans le siège arrière. Et donc, le chauffeur va vous proposer une destination. Et je rappelle que quand on achète la propriété de taxi, on peut prendre le taxi gratuitement. Donc, ça c'est classe. Si on veut se rendre à un endroit vite fait, faut appuyer sur croix. Puis... il va vous emmener au repère. Et donc vous allez payer forcément. Let me take a breath. Let me breathe, man. I am Dr. Randy Angelo Harris and I
Voilà. Donc là, j'ai eu 156$ plus 63$ de pourboire. Ce qui nous fait un total de 219$. Voilà. Donc, vous voyez, ça va assez vite de faire d'argent de cette façon. Voilà. Et donc, d'ici là, on se retrouvera bientôt pour les véhicules numéro 65. Salut!